Bienvenue sur Télé Afrique. Nous sommes à Beauville et là, voici un site super bien placé, bien décapé que nous vous présentons. Donc c'est ici que nous avons des terrains de 500 mètres carrés. Tout est prêt. Hein? Tu payes ton terrain, tu viens commencer à construire. Ça, ce sont les bonnes. Tout est décapé pour ce lotissement-là. Ok, donc je viens. En partie voir l'autre là. Voilà. Donc là-bas, en haut, c'est pour des logements socio-économiques. Et ici, toutes les ouvertures sont déjà faites. Donc pour ceux qui ont l'habitude de suivre les vidéos sur Télé Afrique, je sais qu'il y a des clients qui vont reconnaître leur coin, mais ils seront étonnés. Juste là. En haut là, où qui est décapé, à côté, vous voyez un peu d'herbe où il y a le gros arbre, ils vont reconnaître leur terrain. C'est le lotissement Eddie Oye, quartier millionnaire de d'Agboville. Là. C'est le lotissement qui est là. Donc c'est collé avec ce nouveau lotissement qui est approuvé. Décapé des terrains de 500 mètres carrés ici, que nous faisons à 3 500 000 francs. Pour ceux qui veulent payer un peu, vous payez 1 500 000 francs cash. Et puis chaque mois, vous payez 200 000 francs. 200 000 francs pour le reste des 2 millions qui restent. Sur 10 mois, vous avez fini de payer. Donc, c'est la nouvelle promotion au niveau d'Agboville. Tout ça, c'est le site qui est décapé là. Les terrains ne sont pas ailleurs. Ceux qui cherchent terrain plat décapé là, c'est ça qui est là. Voilà. Donc, ici, tu payes ton terrain. Tu commences à construire. Tu fais tes documents. C'est approuvé. À l'intérieur, il n'y a pas trop de problèmes. Donc, au moment où tu lances ton ACD, tu peux commencer à construire sur ton site parce que c'est rare d'avoir des litiges à l'intérieur. Donc ici, vous payez, il n'y a même pas de travail à faire. Tout est déjà décapé, tous les EVA ont été enlevés. Voilà, voici la voie qui va à Erimakoudje 2, qui va de l'autre côté. Là-bas, c'est vers le centre-ville. Et ici, nous sommes à l'entrée d'Agboville, l'axe Agboville-Abidjan. Donc le village est juste à côté ici, derrière ces EVA-là. Juste à côté ici, toutes les voies vont sur le grand boulevard. Je suis Dadou Henri-Joël Zama, je suis le PDG de l'entreprise Télé Afrique Group. Et Télé Afrique Group est une entreprise qui exerce dans le multiservice, dans l'immobilier, c'est-à-dire le BTP, bâtiment, travaux publics. Nous sommes dans la vente de terrain, dans la vente de maisons. Donc ici, comme je le disais, on a aidé beaucoup de personnes. Là-bas où vous voyez que c'est Bruce là, il y a des gens qui ont déjà accédé, des clients de Télé Afrique. Il y a plein qui ont déjà des ACD. Il y a d'autres qui ont commencé leur construction. Je vous le dis toujours, en Côte d'Ivoire, il pleut. Donc souvent, vous voyez comme ça, mais en saison sèche, lorsque les gens commencent à brûler les feux de brousse, parce que ce ne sont plus des champs, ce sont des habitations. Et quand le coin n'est pas encore habité, c'est normal que les herbes poussent. Mais au fur et à mesure, pendant la saison sèche, les gens construisent un peu, une, deux, trois, quatre personnes commencent à habiter là, cinq personnes, six personnes, dix personnes, allez, ça devient un quartier développé. Et puis les infrastructures suivent. Malheureusement, on devait faire les infrastructures avant que les gens ne viennent habiter, mais c'est le contraire. On ne peut pas changer les choses. Je pense qu'avec le temps, ça va venir. Donc vous voyez, tout ça, ce sont les bonnes, des terrains qui sont disponibles. Le plan est disponible. Pour ceux qui veulent payer cash, c'est 3 millions de francs CFA. Là, on fait sortir le plan. On te montre les terrains qui sont disponibles. Tu choisis ton terrain. Pour ceux qui souscrivent, on ne choisit pas. C'est lorsque vous finissez de payer qu'on vous donne votre terrain. Vous choisissez parmi les terrains qui sont disponibles. Donc, c'est le site qui est là. Les visites sont possibles ici. Voilà, c'est le site. On ne rentre pas dans Bruce, on ne va pas ailleurs. Donc, quand c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Mais peut-être que bientôt, ça va pousser. Hein? On est en saison pluvieuse. Mais la manière dont le coin est décapé, ça sera très difficile pour que les arbres poussent ici encore. Donc, vous payez votre terrain, vous commencez vos travaux. C'est approuvé. Donc, c'est le client qui paye tout ce qu'il y a comme frais pour faire son ACD. On peut vous accompagner, mais c'est le client qui va payer pour faire son ACD. Ici, il y a des découpages de 400 mètres carrés et des découpages de 500 mètres carrés. Et 500 mètres carrés ici, c'est le même prix. On ne vend pas par mètre carré, on vend par lot. Donc, si vous êtes tombé sur un lot de 400 mètres carrés, si vous êtes tombé sur un lot de 500 mètres carrés, voilà, c'est votre chance. Donc, ici, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc là-bas, c'est déjà, ils ont déjà les ACD, les gens ont commencé à construire. Donc la vidéo avec le drone, ça vient, vous allez voir, hein, la présentation, une très belle vue. Voilà. On est à Agboville. Et Agboville, vous avez vu l'autre vidéo, la vidéo précédente.
moi, je fais pratiquement moins de 30 minutes. Voilà, moins de 30 minutes, 25 minutes moins, hein, voilà, dans ma voiture personnelle. Mais en transport commun, dites-vous 45 minutes, 40 minutes pour être à Agboville. Donc, à moins d'une heure, vous êtes à Agboville. C'est une grande ville. J'ai fait plusieurs vidéos sur Agboville. Ceux qui n'ont pas encore regardé, vous pouvez aller regarder. Et je vais vous faire une vidéo bonus, une vidéo d'actualité d'Agboville, une vidéo de mise à jour. Donc, voilà, tout à l'heure, je vais faire une vidéo de la ville. Et puis, vous allez voir comment ça se développe. Donc, c'est dans ces coins-là, quand c'est comme ça, que vous pouvez avoir terrain. Ceux qui veulent terrain au bord du goudron, tout ici, il aura du goudron. Ça vient avec le temps. Donc, c'est maintenant là qu'il faut payer ton terrain moins cher, commencer à faire ton ACD. Et puis, demain, quand on met le goudron, ça devient un terrain au bord du goudron. Parce que tout ça, ce sont des voies qui sont tracées. Il y a des voies, il y a des grands boulevards de 30 mètres ici, des boulevards de 20 mètres ici. Forcé, ça sera bitumé, ils vont faire les caniveaux, il aura l'électricité, tout ça ici. Donc, mais quand il y a toutes ces modalités, ces commodités-là, il n'y a plus de terrain, vous ne pouvez plus acheter. Parce que pour que l'État puisse venir le faire, il faut que le coin ait un minimum de personnes qui habitent sur le site. Pour qu'on puisse venir faire les écoles, les centres de santé, tout ça, il faut un minimum de personnes. Parce que c'est ça en fait. L'Afrique n'est pas encore développée, donc on priorise les zones qui sont déjà peuplées. Le développement, ça assure le coût de la démographie en fait. Voilà. Plus le coin est peuplé, plus on commence à mettre des accents sur les besoins de la population. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Parce que l'État ici va venir construire une école aujourd'hui, ça ne va pas servir à quelque chose. Ils vont venir construire un centre de santé, ça ne va pas servir à quelque chose. Pour eux, c'est comme un mauvais investissement. Il faut investir là où il y a le besoin immédiat là. Et puis au fur et à mesure, ça va venir. Donc tout est accessible en voiture, à pied, à moto, avion, tout ça là, sauf bateau. On dit quoi, Yavo? D'accord, on va aller voir ce que tu as nettoyé là, d'accord. Donc, voilà, pour ceux qui sont intéressés, vous appelez le numéro qui est affiché. Et puis, on vous aide. Voilà, bientôt, on va vous mettre en relation avec la commerciale de Téléafrique. Comme ça, pour ceux qui n'arrivent pas à me joindre, elle va prendre directement en charge vos dossiers. Donc, vous me contactez et puis on vous met en relation avec le service commercial. Merci. Nous sommes à Agboville. Ça, c'est à l'entrée de la ville d'Agboville. Donc, ce village, c'est Erimakoudje. Erimakoudje, tout ce que vous voyez où il y a la voiture blanche, tous ces secteurs-là, on a vendu des terrains ici. C'est ici qu'est Etioye, quartier millionnaire, là. Donc, le village Erimakoudje est devenu un quartier d'Agboville. Voilà. Donc, c'est ce que vous voyez sur la pancarte, là. Erimakoudje. Puis, c'est le marché qui est là, le nouveau marché. Donc, nous sommes à Agboville. Tout ce que vous voyez ici, là, les gens ont déjà acheté. Et voilà. Donc, le lotissement qu'on va vous présenter, là, c'est toujours en face ici du village, en face du village Erimakoudje, qui est un quartier d'Agboville maintenant. Donc, c'est par ici que nous allons passer. Nous sommes en train de partir sur le site et nous sommes déjà sur le site. C'est le site que vous voyez décapé ici là. C'est tout ce site là. Le site est tellement... J'avais déjà présenté une partie. Il y a des gens qui avaient déjà acheté même des terrains ici avec. Donc nous sommes sur le site. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a des gens sans le savoir qui ici était déjà lotis, qui ont acheté des terrains avec nous, qui font frontière, nos clients qui ont déjà leur ACD, qui font frontière avec ce site décapé là. Et vous voyez, les voies ont été faites, les bornes sont posées. Un très 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 beau site. Et en face, c'est pour les logements sociaux d'Agboville. Voilà. Donc vous voyez, on peut se promener avec la voiture sur le site. Voilà, donc c'est à Agboville. Tout de suite là, je vais soulever le drone. Toi.
la gona d'un jour. Ah, petit cellulaire. Ah, maman. Toutes les femmes sont confondues, raison pour laquelle elles ont perdu les valeurs. On les appelle les Goworoboro. Ça fait pitié, les Gobaladu. C'est pas du tout normal, les Gobamoubou, maman. La moyenne, les Goudiposo. Elle n'a pas encore fini sa vie, oh. Maman, oh, ah, oh, oui, yes, oh. Elle n'a pas encore fini sa vie, oh. Mama, oh.